You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous accueille encore avec ces lunettes. Oui, j'aime ces lunettes. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire de ces lunettes? Bah, je les ai eues à Paris Games Week, hein, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et du coup, je les aime bien, donc je les garde, voilà. C'est comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Assassin's Creed Black Flag, l'épisode 2. Et comment dire, c'est simple, comment dire ça? Je suis content de vous retrouver. Vous êtes 78, et je vous remercie, voilà, c'est tout. J'ai un peu de mal, hein, mais j'y arrive, c'est tout ce qui compte. Je montre ma bouche, parce que là, elle est derrière mon micro, mon putain de super micro. Voilà, c'est tout, et on va jouer. Alors, la dernière fois, on était avec ce mec-là qu'on a sauvé des Espagnols. Je crois que c'était des Espagnols. On a appris qui était Edward, on est devenu pirate, il y a eu le naufrage, il y a eu le putain de moment Abstergo où c'était magnifique. Voilà, voilà ce qui s'est passé un peu. Je vous invite à aller voir l'épisode parce que ce serait trop long à redire. Et du coup, là, cette fois, on est arrivé, alors si je me trompe pas, voilà, à la Havane. Donc c'est un truc qui doit être, ça ressemble à de l'espagnol, donc on doit être, je sais pas, je crois que c'est au Costa Rica, la Havane, j'en suis pas sûr. Après, il y avait peut-être pas les noms des pays d'aujourd'hui. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. J'enregistre donc encore le micro, le Samson CU01, et donc j'essaye de montrer ma tête en vidéo. Donc si je réussis à le faire au montage, vous l'aurez, sinon vous aurez juste le fait que j'ai dit ça. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Et c'est quoi les deux trucs longs qui pendent de mon... Je viens de te sauver la peau. Bien entendu. Merci. Prête-moi quelques réalès, je viens de te sauver la peau. Genre le mec qui vient de te sauver la vie, mais... Donc tu me payes un truc, ok. Ok, sinon tu peux juste arrêter de faire ça, je veux juste que... Voilà. 1000. Le mec il m'a payé 1000 euros. Bon après la vie n'a pas de prix, blablabla. Voilà. Ok. Accessoirement je pense qu'on n'a pas plus. Ça me convient davantage. Et toi Bonnette? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Ah merde, en plus il a pu s'offrir qu'un poignard le... Inutile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. J'ai égaré, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Allez, c'est parti. Salut les gars. Ouh, pardon. Attends, il y a forcément... Ah, voilà. D'accord, ok. Attends, mais normalement, c'est Assassin's Creed, on peut grimper partout, quoi. Ah bah voilà, je me disais bien quand même. Ça commençait à m'énerver. Là, il commence vraiment à m'énerver. Allez, c'est grimper sur le toit d'une église, c'est pas compliqué quand même. Toi, ton hameçon, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Allez, c'est pas possible de mettre une demi-heure à grimper là-haut quand même. Non, oh non. Putain, mais quel abruti, quoi. Allez, on va... Salut, je monte pas sur l'église. Vous m'avez pas vu. Putain, j'étais monté trop haut et là, je vois le truc... Je saute dans la paille, enfin bon. Putain, mais t'en as pas marre de faire de la merde? Le mec, j'essaie de l'arrêter de... Mais putain!
c'est pas possible, je vais y arriver, bordel. Allez, on monte. On va essayer de... On va faire le tour et monter sur le truc. Putain. Mais il se fout de ma gueule là. Putain, j'ai cru que j'y arriverais pas là. Ça fait trois fois que je lui dis de descendre et il descendait pas. Le mec il fait quoi? Il continue à monter ou quoi? Je crois que je vois ta taverne. On est pas loin. Là, on peut y aller. Viens là, toi. J'ai pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. Mais son couteau, là, il lui a servi à rien. Et c'est le 100 mètres des Jeux Olympiques de la Havane. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. M'oblige pas de poursuivre dans le port. Putain, mais je suis juste là. Comment ça se fait que je peux pas le choper? Il est où? Bon bah là ça sent un PLS hein. Putain 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 putain, go go go. C'est bon. Putain mais là je l'ai perdu de vue en mode... Putain où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. J'étais en mode ils vont me tuer. C'est bon là on l'a, on l'a, on l'a, on le tient. Et il court vite le bâtard hein. Il en aura marre de courir et il fera... Ah moi j'ai pas de temps à perdre gars. T'as mal choisi ta victime mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Je vois qu'on s'est fait quelques ennemis. Oh merde, ok. Si je peux, je vais essayer d'engager des gens. Mais monte, abruti. Putain, le mec il se met... Oh putain, monte, 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 monte. Putain, mais toi, il faut vraiment que tu retournes... À l'école des... des assassins, quoi. Allez. Là, c'est même pire que les mettre dans le vent, là. Je les ai tués, là. Oh, un petit délire comme ça, voilà, c'est tout, ça. Bon. Ça, c'était raté. Normalement, on devrait rejoindre l'autre sans problème. Ils vont réagir. Vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, bonnet, 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 qu'est-ce que tu nous fais subir? Ok. Auberge espagnole. Avec ces pirates de Nassau.
tais ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Oh. Wow. Ok, c'est parti, on va danser une petite danse. Hey. Wow. Ok, donc là le jeu nous apprend à nous battre sans épée. Allez, dégage, retourne dans les joues de ta mère. Oh. Tellement bon là, je me sens tellement en mode ninjata. Oh là, c'était violent. J'ai l'impression de jouer à Mortal Kombat là. Vas-y, viens, viens encore. Bouya. Pas cool. Bon, fumigène. Appuyez sur triangle. C'est le moment de se barrer, je crois. Je vais faire une pause ici, les gens, pour contrôler la vidéo au niveau des 15 minutes de la PS4. On se retrouve tout de suite après. On est de retour les gens, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Et donc là on doit échapper aux soldats espagnols qui sont totalement cons. Enfin j'espère qu'ils seront totalement cons. Ils sont pas totalement cons. C'est con de le dire mais... Alors là... Ah putain. Faut que je trouve une idée. Ça sert à rien totalement. On va engager des filles. Venez. Comment on vous engage? Quoi? C'est tout? Ok. On va se barrer quand même. Oh, il a cuté son pote. Oh. Allez. Ouais, je sais, je risque de perdre du temps à faire ça, mais bon, c'est stylé, non? On est des assassins ou on n'en est pas? C'est parti. Ok, séquence 2. On lance la mission, c'est parti. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Oh. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trop fort. Eh ben, on a tous les deux pris cher. Au moins, il y a égalité là-dessus. Heureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors il est bon que je m'abstienne. Ah. Tu m'étonnes. Bien, on a pris une rouste, on va éviter d'en prendre une deuxième. Hein. Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Pourquoi tu lui as dit de te suivre? Ce mec, c'est un boulet. Oh, j'adore ce jeu. Ouais. Je crois que ça, je viens de m'en rendre compte. Hein. Honnête. Putain, mais quel abruti! Silence.
Putain, c'est trop la bonne technique, les meufs, là. Oui, j'ai payé des filles, mais pas pour un truc, voilà, hein. Lol. Attends, mais le mec, il était en train de tuer les femmes, mais sans problème, quoi. Genre, occupez-vous d'eux. Nope. Ok, bon, théoriquement, on peut pas y aller en mode boulet. Est-ce que les filles sont encore avec moi, ou est-ce que je me suis fait avoir? J'ai pas remarqué. Là, s'il me remarque pas, c'est que tout va bien. Franchement, j'attends qu'il passe parce que sinon c'est cramé. Cela me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. On va faire le tour par là parce que de toute façon, on rentrera pas sans... Parti, il faut les suivre. Courez. Allez-y. Vous retournez pas, il y a personne qui vous suit, hein. Voilà, non mais... Le mec, dès qu'il approche d'un mur, il grimpe partout. C'est bon. Si je retrouve un groupe de filles, je vais en reprendre un parce que pour les suivre... Eh merde, putain. Mais attends, mais venez vous battre là, y a pas de problème, hein. Ne traînons pas, tu sais, c'est les gens mi-pressés dont parlait je ne sais plus quel youtubeur dans sa vidéo. Les mecs, ils s'en foutent royal, genre je cours derrière eux. Allez, au pas. 1, 2, 1, 2. Et puis là, d'un coup, genre, il s'arrête et du coup, il me repère, putain. C'est les mecs en mode, vite la pendaison. Et, oh, on s'en fout. Vite la pendaison. Oh, on s'en fout. Vite. Par ici.
putain. Quoi, mais j'étais dans la zone là. Putain, ce genre de truc, ça m'énerve. C'est notre sucre. Rendez-nous notre sucre. Un anglais ? Son propriétaire a porté le riz la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Putain, mais pourquoi il a fui en abandonnant le sucre aussi, l'autre ? T'abandonnes pas le sucre, tu fuis, mais avec le sucre. Ok. Traduction en espagnol en français de l'espagnol, t'es pauvre. Oui, alors chance de m'en sortir. Celui-là, si je m'en sors, ouais. Bon, bah voilà, au moins c'est réglé. On va faire la deuxième pause de la vidéo ici, puisque... je viens de me faire défoncer littéralement, quoi. Je fais la pause ici. Voilà. Dans 3, 2, 1... On est de retour pour la troisième partie de cette vidéo, et probablement la dernière accessoirement parce que ça fait 24 minutes qu'on tourne, donc ça fera 36, c'est à peu près je crois la durée de l'ancien épisode, et je ne sais plus du tout lancer argent. J'ai lancé de l'argent, tu te fous. Ok, faut survivre. Je sais pas comment, mais on va survivre. Allez, ils sont moins nombreux, y a moyen.
Putain, je gère pour le moment, je gère. Putain, il faut que je trouve le mec qui me tire dessus là parce que... Putain, il est bon ce compte capitaine. Hein. Putain, c'est compliqué les gens, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, déjà, technique number one. À mon avis, ça a pas marché avec les... Ok, c'est le moment de faire la pute et de se barrer. Je sais pas si je risque de perdre la mission en faisant ça, mais il y a des fois il faut tenter des trucs. Ça va être tendu, ça va être très tendu. Putain, je vais pas y arriver, hein. Allez putain, allez. Faut essayer d'être partout et c'est chaud, putain, c'est chaud. Alors, comment je peux faire? Je vais essayer de rentrer de l'autre côté, mais... Ah mais c'est lui qui me tire dessus là, en mode grosse te pute là. On va régler nos... Oh! Oh comment il m'a transpercé. Oh la violence quoi. Ok, faut être meilleur. Putain mais... Toi mais crève quoi. Putain c'est trop chaud.
Ah putain. Je viens de voir que ma caméra ne tournait plus, donc je mettrai en mode bug et tout. Donc je vais faire une pause un peu imprévue ici, voilà. Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve, donc ma webcam est de retour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, il y aura une petite partie de la vidéo où il n'y aura pas mon visage, je suis désolé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique un bug, voilà. Donc on va essayer de récupérer la clé de ce putain de capitaine de merde là. Hein, parce que, comment dire, il commence à me casser les couilles, hein. Ok, je suis mal barré. Je pense que j'ai choisi la mauvaise stratégie. J'ai essayé de contourner, quoi, merde. On y va, ça marche pas. On y va pas, ça marche pas non plus, en fait. J'essaye de faire un truc, quoi, je... Wow, le saut magnifique, mais est-ce que ça va m'arranger, parce que là, on tourne totalement autour de la cible, puisque la clé est plus loin sur la carte, hein, comme on peut le voir, et du coup pour le moment, à part affoler les gens, je vois pas à quoi je le sers. Ok, en fait, il fallait juste le laisser s'éloigner de ses hommes. Ok. Alors maintenant, il faut qu'on aille... Merde, totalement de l'autre côté. Donc c'est parti. Je précise d'ailleurs que le micro, la webcam et la PS4, tout a été installé par mon équipe technique que je paye 8,50€. Je ne gagne pas d'argent sur mes vidéos, mais je crois que le but n'est pas de gagner de l'argent sur mes vidéos. Mais vu qu'ils font du bon taf, je les paye. Alors. Ouais, mais j'ai rien fait là. Ça, tu vas te calmer mon gars, j'ai rien fait. Hey. Bah les couilles. Putain, mais là, il y a un moment... Oh. Voilà, non mais lâchez-moi quoi. Allez, va dans... Oh, il a emmené les deux. Oh, c'est tellement magnifique. Par contre, je suis en PLS. Non mais... T'en as pas marre de tomber dans l'eau toi? Retourne-y pour voir. Putain, mais la même pour toi quoi. C'est bon. Génial, allez tout le monde dans l'eau. Dégage dans l'eau, on t'a dit. Et remonte pas, tu gagneras du temps. Putain, mais il va remonter ce con. Hein. Voilà. C'est pas possible ça, les gens, on leur dit de rester dans l'eau, ils remontent. Bon alors là maintenant il va y avoir une... Il va falloir faire très attention. Je sais pas s'il va venir vérifier ou pas. S'il vient vérifier, je suis dans la merde. Putain, 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 putain. Showtime. Allez, t'as rien vu, t'as rien vu. Je suis juste là devant toi, mais t'as rien vu. Ok, va falloir aller dans la paille. C'est raté. Putain, encore un capitaine de mes couilles là. Ouais. Mais non, mais du con, ils savent déjà que t'es là, ça sert à rien ça. Ok, on tente le tout pour le tout. Bah les couilles. Parce que là, faut qu'on avance dans cette vidéo là. On piétine. Oh putain, par contre, ça va être chaud, ça va être chaud. Petite blague, voilà. Ah.
Hey, j'y suis là. Attends, c'est bon, j'ai atteint. Ouh putain. Tellement chaud. What? Non mais ça dégage au pire. Mais d'où il vise aussi bien ce bâtard là? Et qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est la merde. Bon, comme tout à l'heure, allez. Putain, mais restez dans l'eau. Restez dans l'eau. Mais j'en ai marre. Pourquoi je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire là? Bon alors chance qu'il m'ait repéré 100%. Tant que personne ne me voit. Je vais essayer de faire le tour, hein, on sait jamais. Hein. Ok, il y a un point d'entrée. Ok. Salut, je suis chez moi. Là. Au cas où il se pose des questions, il va venir voir. Sinon quand il va se barrer, j'espère qu'il va se barrer. Putain, ils sont deux maintenant, merci. Allez, barre-toi. Parfait. On va rester en arrière. Histoire de reprendre un peu de vie. Ok, il y a un mec juste là. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Ok, ok, ok. Pour le moment, on gère les bails. On gère les bails. Il reste plus que le gros là-haut. Et s'il y a moyen de l'attirer, faudra pas que je me rate.
Allez, il m'entend. Il m'entend, c'est bon déjà ça. Et là, on le prend et hop. Personne n'a rien vu. C'est génial. Bon là, il y a un moment, on va falloir y aller. Si le mec là où on me voit pas, je suis bon. Ok, là pour le moment, je suis plutôt bon. Est-ce qu'il y a des gens là? Oui, il y a un mec là. On redescend juste un peu. Le temps qu'il nous oublie. Qu'il continue sa ronde. Ok, c'est le moment. Go, 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 go. Eh merde, fais chier. Alors lui est direct. On lui laisse même pas le temps. Eh merde. Il m'aura mis un coup quand même. On descend vite du toit avant que l'outil nous en retire une. On run, on fait ce qu'on peut. C'est le championnat 100 mètres nage libre. Putain, l'autre, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, putain, quel bâtard, quel bâtard. Faut faire quelque chose. Putain, l'enculé, il a réussi à mettre un coup quand même. Ok, il faut juste faire le tour qu'il nous voit pas. Est-ce que ça va suffire? Non. Eh ben, on a essayé au moins. Non, mais qui n'essaye rien à rien, hein, je veux dire, rien, non. Eh merde, putain, c'était tellement bien parti là. What? Tu veux dire que j'ai... Attends. Lol. Oups. Allez, on tente le tout pour le tout. C'est le speedrun, c'est le speedrun. Je sais même pas où il faut aller, si je peux y aller sans tuer tout le monde. Enculé. On speed. Il est où le point? C'est ça le point? Non, c'est pas ça le point. J'y suis là. Putain, qu'est-ce qu'il faut de plus quoi? Oh, c'est bien géré. Ça, c'est moins bien géré. Putain. Tu m'excuseras, je t'écoute pas. Merde, ils montent tous. Fais chier. Oh. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. C'est le H. La H. Putain, il y a une bombe. Filer jusqu'à l'entrepôt du fort, mais j'y étais, putain, mais toi, mais... Putain. Mais d'où? Non. Ou putain. Pour le moment, je gère les bails, mais alors en mode, je sais pas comment. C'est quoi, c'est ça l'entrepôt du fort? Comment on fait? Attends. Est-ce que j'étais juste con? Putain, mais oui, j'étais juste con. On va faire un petit tour, les enfants. Venez, suivez-moi. Oh putain. Qui c'est qui m'a eu à ce point-là, là? Bon, ok. Je fais une pause là et ce sera la dernière partie de cette vidéo. Et maintenant, j'ai compris comment. Enfin, j'ai compris. J'ai compris, j'étais con surtout, en fait. Ok. Je fais la pause là maintenant. Non, 3, 2, 1.
Ok, il est temps de... Oh. Bon, de toute façon, les gens, la vidéo dure trop longtemps, donc je reviendrai sur ce passage, c'est pas grave. De toute façon, ça faisait pas partie vraiment de la vidéo. Donc c'était Dysphraxix, je vous dis à la prochaine, messieurs, dames. Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve sur mon outro que vous retrouverez à la fin de chacune de mes vidéos maintenant. Je l'ai réalisé moi-même et elle vous informe que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez également regarder la dernière vidéo que j'ai sortie. Et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire, j'y répondrai. Allez, à la prochaine!